Good morning, Ale Yiden, étudiant aujourd'hui le Nishmat, Amram Yonaben Chana Nissim Ben Aouda et Sarah Bat Chana Rachel. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Avoda Zara, Perek He, Mishnachet. Yain Neser, Asur, Ve Oser, Bekol Shehu. Yain Be Yain, Omaim Be Maim, Bekol Shehu. Yain Be Maim, Omaim Be Yain, Benoten Ta'am. Zaklan. Min bemino bemashehu, veshelo bemino benoten ta'am. Une Mishnah essentielle qui va parler des mélanges interdits. La Mishnah va parler spécifiquement du yain neser, du vin offert à la vodazara ou interdit parce que le goy l'a touché, comme on va expliquer. Et sur cette Gemara se trouve toute une partie des sougiotes importantes qu'on étudie lorsqu'on étudie les lois des mélanges interdits de Bassar Bechalav et des longs simanim dans le Shulchan Aruch, dans Yoreder. La Mishnah nous dit comme ça, Yain Neser Asur Loser Bekol Shehu. Du vin, Yain Neser. On va le laisser en flou pour le moment. Est-ce qu'on parle du vin qui a été touché par un goy ou du vin qui a été offert à la Avodah Zarah? Il y a une petite discussion dans le Mefarshim. En tout cas, on parle du Yain Neser, le vin interdit à cause des goyim. La Mishnah nous enseigne qu'il est Asur, il est interdit lui-même, Veoser Bekol Shehu. Et il interdit son mélange Bekol Shehu. C'est-à-dire, yain be yain, omaim be maim, si c'est du vin qui se mélange dans du vin, ou de l'eau qui se mélange dans de l'eau, bekol shehu, même avec une quantité infime, un petit peu interdit, plein. On explique tout de suite de quoi on parle. On va parler d'abord du yain, on va le faire, on va commencer par le vin, du vrai vin de Avodah Zarah. Comme ça, le Tiferet Israël explique que notre Mishnah ne parle pas du vin qui a juste été touché par un goy, il parle du vin qui a été offert en offrande à la Avodah Zarah, donc le très grave interdit de la Torah, interdit d'en tirer profit très formellement par la Torah, il faut nécessairement le détruire. De ce fait, la Mishnah nous enseigne, sache que ce vin-là, il interdit même un autre vin, même en quantité infime. Le cas type, pour le moment, c'est que si j'ai dans un ustensile, on va prendre par exemple dans un tonneau, il y avait dedans du vin de goyim, et j'ai tout renversé, et il restait tout au fond une petite goutte de vin de Yain Neser. Ouais, du vin de Yain Neser, donc offert à la Avodah Zarah pour le moment. Et que sur ça, ensuite, j'ai pris, une fois que j'ai fini moi de fabriquer mon vin kasher, je l'ai versé entièrement dedans. Donc il y a une petite goutte qui restait au fond d'un tonneau qui contient plus de 350 litres. En pourcentage, ça fait 1/10 millième. Et ben malgré tout, il faut savoir qu'une petite goutte de Yain Neser interdit même 1000 litres de vin, même 10 000 litres de vin, ça les interdit parce que le NSR oser bémachéou. Il interdit même bémachéou. Machéou, un petit quelque chose. On parle aussi dans notre Mishnah de maïm bémaïm. On parle de quoi quand on parle de maïm bémaïm? On parle de l'eau qu'on a offert à la Avodah Zarah. Soit, au même titre qu'au Beth Amikdash, des fois on a porté une offrande d'eau à Soukhot pour qu'Hachem nous bénisse et nous donne les pluies de l'hiver. Alors, on a porté de l'eau en guise d'offrande. Et bien, si quelqu'un a fait la même chose avec l'Avodah Zarah, donc l'eau va prendre un statut de tikrovet Avodah Zarah, interdit formel d'en tirer profit maintenant, c'est devenu une offrande de Avodah Zarah, il faut détruire cette eau, la mettre dans un endroit où elle ne va pas nous servir à plus rien du tout. Et alors la Mishnah enseigne que sache que si cette eau se mélange, elle, à même 1000 litres d'eau, 10 000 litres d'eau, 1 million de litres d'eau, alors toute l'eau deviendra interdite. Bien sûr, on va apporter quelques précisions d'ici peu. D'abord, je clôt la présentation de la Mishnah. D'accord? Une goutte de vin, donc de Yain Neser dans plein de vin. Une goutte d'eau dans plein d'eau. Alors, Bema chez vous, Bekol chez vous, même un tout petit peu. Une petite goutte infime, interdit plein. Tandis que, si c'est Yain Bemaim, si c'est du vin dans de l'eau, ou bien, ou Maim Beyain, ou à l'inverse, de l'eau dans du vin, c'est-à-dire du vin interdit, parce que c'est de la tikrovet Avodah Zarah, qui se mélange, une petite goutte de vin, qui se mélange dans une tonne d'eau. On va prendre par exemple le tonneau où il y avait une goutte de vin d'interdit en dessous, et j'ai rempli tout ce tonneau d'eau. Aujourd'hui, maintenant, on regarde le tonneau, qu'est-ce qu'on regarde? De l'eau, on ne comprend même pas, on ne remarque même pas qu'il y a une fois que ça a été mélangé avec du vin, tellement qu'il y a, ça a été mevoutal, annulé complètement. Inversement aussi, omaim bayaim, il restait un petit peu d'eau de Avodah Zarah dans le tonneau, et après, j'ai mis une tonne de vin kasher dessus. Au point où, il n'y a même pas de noten ta'am. Alors là, justement, la Mishnah enseigne la limite sera à partir du noten ta'am, à partir du moment où il y a une quantité suffisante pour donner du goût.
que l'on attribue toujours à un soixantième. Pourquoi un soixantième? C'est une Mishnah d'Orcholin qui l'explique. C'est que si on prenait une viande grasse et qu'on la faisait cuire avec un légume, un légume qui est capable de capter facilement les goûts, qui n'a pas un goût fort personnel apparemment, alors si on les mélangeait tous les deux, ben on réaliserait que à partir de 1 soixantième du volume de cachère, de l'interdit par rapport au cachère, c'est-à-dire un volume, 1 cm cube qui va tomber dans 60 cm cube de légumes par exemple, et qui vont cuire ensemble et qui vont macérer ensemble, alors on remarquerait qu'à partir de 1 soixantième, même ce goût fort ne diffuse plus son goût dans le légume. Ce goût fort de viande ne diffuse plus son goût dans le légume. C'est pas épicé, bien sûr. Si c'est épicé, il y a d'autres limites à 920, je crois, dans les masses rapportées. Pour le moment, si c'est juste des aliments classiques, alors à partir d'un 60e, c'est certain que ça ne donne plus de goût. De là est sortie la grande limite connue de 1 60e. Si vous avez une goutte d'eau, une goutte de lait qui va retomber dans votre casserole de viande, on va en général permettre la casserole de viande à partir du moment où il y a 60 fois le volume de la goutte de lait qui est tombée. Ça s'appelle toujours notentam, suffisamment pour donner du goût, c'est-à-dire, en théorie même, on pourrait même faire goûter à un goy, selon des limites bien précises, on évite de s'appuyer sur ça. Il y a plusieurs règles qui sont partiellement, entre parenthèses, rapportées dans le Barthénora, de pouvoir faire goûter à un Kohen, si toutefois c'est de la trauma qui se mélange, pour savoir ce qu'il y a du goût, il n'y a pas du goût. D'accord? C'est ce qu'on appelle notentam, suffisamment pour donner du goût. Donc, 1 soixantième, aujourd'hui, on prend cette limite et on se fonde sur elle en général. La Mishnah conclut en nous disant la généralité, et après on va revenir apporter plus de précision sur la Mishnah. Zéaklal, telle est la règle. Min bemino, bemachéou. Une espèce dans cette même espèce, donc de l'eau dans de l'eau, du vin dans du vin, de la viande, de nevena. Non, Dafka, c'est un mauvais exemple. Je le mets de côté, excusez-moi, je reviens en arrière. Donc, min bemino, on parle de spécialement par rapport à l'interdit de Yain Nesser. Alors, bemachéou. Même un petit peu, une quantité infime, tandis que Veshelo Bemino, si ça se mélange dans quelque chose qui n'est pas la même espèce, de l'eau dans du vin dans de l'eau, alors Benoten Ta'am, à partir du moment où il y aura la quantité requise pour donner du goût, donc le 60e. On va remettre le zoom sur deux points très importants. Vous devez remarquer qu'il y a un très long Barthénora ici, qui nous fait une petite. Qui nous présente plein de règles importantes des mélanges interdits. Nous, pour ce qu'on va faire, d'abord, c'est apporter d'abord une précision importante sur le Yain Nesser. On parle dans notre Mishnah du vin qui s'est mélangé. Du vin interdit, Yain Nesser. On a un petit problème technique. C'est que Yain Nesser qu'on évoquait jusqu'à maintenant, on parlait à chaque fois du vin qu'un goy a touché. Je reprécise un petit peu, je recadre un petit peu le problème. Il y a, selon la Torah, ce qu'on appelle du Yain Nesser de la Torah. C'est du vin que l'on a offert en guise de Ala Avodazara. On lui a fait une oblation de vin. Alors ce vin-là, ça sera du Yain Nesser de la Torah. Chachamim sont venus ensuite et ont interdit tous les vins des goyim à partir du moment où le goy le touche, en soupçonnant le goy d'être capable de sacrer le vin en l'honneur de sa Avodah Zarah. Entre parenthèses, ça a été fait pour nous écarter le plus des goyim, qu'on ne vienne pas se marier avec eux. C'est une barrière qui a été faite. Concrètement, aujourd'hui, on interdit tout le vin du goy en le soupçonnant de l'avoir sacré à l'Avodah Zarah. Mais c'est un interdit qui n'est que Midera Banan. À chaque fois qu'on a évoqué Yain Nesser depuis le début du Pérec, même la fin du Pérec précédent, alors on parle à chaque fois du vin Midera Banane qui a été touché par un goy. Là, spécialement pour ce Yain Nesser qui est interdit Bekol Sheou, qui est interdit même avec une quantité infime, il y a sur cela une petite discussion. Certains interprètent, le Tiferet Israël en l'occurrence par exemple, il explique la Mishnah qu'on parle, qu'on ne parle que du vin de Yain Nesser qui a été offert à la Avodah Zarah, le grave interdit de la Torah, qui est formellement interdit d'en tirer profit, alors lui, il interdit même Bemashéou. Tandis que si c'est du vin qui a été touché par un goy, soit vous avez dans un verre une petite goutte qui a été touchée par un goy, et dessus on a rajouté du vin cachère par exemple, alors selon Tiferet Israël, ce vin sera permis, il sera plus interdit. D'accord? Tandis que Tosfot Yom Tov, il rapporte au nom du Ran, je sais pas exactement, j'ai pas vu dans la halakha comment ça se passe, au nom du Ran, qu'en réalité, on parle même ici de Yain Nesser qui a été touché par un goy, sauf que dans ce cas-là, ça s'interprétera un petit peu différemment, que ce sera juste interdit à la consommation, mais on aura le droit d'en tirer profit, c'est-à-dire, il y a tout un trafic, comment faire, vendre à un goy, et puis après récupérer la somme qu'on récupère, jeter la part conséquente d'argent, donc de la valeur. Imaginez, j'ai vendu une bouteille de vin à 20 shekels, et il y avait dedans un petit peu de Yain Nesser mélangé, j'aurais moyen de récupérer ensuite donc les 20 shekels et de jeter 2 shekels en contrepartie du Yain Nesser, d'aller les jeter à la mer, et voilà.
Ça, c'était pour la présentation du problème de la Mishnah. Maintenant, un truc très important à connaître. C'est la première partie du Bar Tanoura qui rallonge beaucoup pour expliquer. Que l'on ne parle du Issur Bemashéhu de deux choses l'une. Deux cas de figure à exclure un troisième cas. Si toutefois, c'est-à-dire, je présente d'abord l'idée générale. Il est vrai que le Yain Neser interdit Bemashéhu, avec une quantité infime interdit beaucoup, mais c'est théoriquement à condition que le vin cachère entre dans le vin interdit. Soit celui qui était là le premier, c'est lui le boss. Si vous avez un tonneau où il y avait dedans un petit peu de Yain Neser qui était là tout d'abord, c'était lui le premier, alors là, même une petite goutte va interdire 1000 litres qui vont lui tomber dessus. Mais si c'est le contraire, vous avez un tonneau de vin permis et qu'il va y avoir un petit peu de Yain Neser qui va tomber dedans, alors là, ça ne va plus le rendre interdit simplement en tombant dessus. Mieux que ça, même s'il va y avoir ensuite une deuxième fois et une troisième fois, vous allez avoir plein de Yain Neser qui va tomber, qui va se mélanger dans le vin, on va dire Kama Kama Batil. Le premier qui tombe, il s'annule à chaque fois dans celui qui est présent. À une exception toutefois, ça aussi rapporté dans le Bar Tanoura, c'est que si vous avez une grande quantité de vin cachère, mais vous avez aussi une quantité équivalente de vin interdit. Il n'a pas précisé les quantités, je crois que ça dépend, est-ce que c'est 3 ou est-ce que c'est 60. Ça c'est flou, j'ai pas eu le temps d'approfondir plus dans les détails, désolé. En tout cas, si on va prendre une grande quantité de vin de Yain Neser qu'on va mettre d'un coup dans du vin qui va être permis, alors là il va le rendre interdit, et il va parvenir à le rendre interdit. Tandis que si je fais couler le vin en goutte à goutte, même une grande quantité ne va pas interdire le reste du vin. D'accord ? C'est le principe essentiel à connaître, vous avez qu'à le lire, le traduire, je ne vais pas le faire en direct. C'est la première partie du Bar Tanoura. La deuxième partie du Bar Tanoura, maintenant, va nous faire un petit peu d'ordre pour nous apprendre qu'est-ce qui se passe pour toute la Torah. Toutes les lois de la Torah où il y a des mélanges interdits, alors il va nous dire à chaque fois « Ben Beminan, Ben Shelo Beminan, Ben Oten Ta'am » que ce soit quand ça se mélange dans la même espèce ou dans une espèce différente, a toujours la limite de tous les interdits. Si j'ai de la viande interdite qui se mélange dans de la viande permise, même si c'est de la viande dans de la viande, justement, c'est l'erreur que j'ai faite tout à l'heure quand j'ai présenté la Mishnah, mais je vais parler trop vite. Quand c'est de la viande interdite dans de la viande permise, même à partir de 60 fois le volume, c'est permis. Même mieux que ça, selon la Torah, même un volume inférieur était permis. Seulement, il y a une zéra des rabbanan, on ne va pas manger dessus. Pourquoi on interdit ? Tout l'interdit de min bemino serbe machéo, qu'une espèce dans la même espèce, ça n'a été dit que dans le yain neser, et dans la Touruma, pour des raisons qui sont expliquées dans le Bar Tanoura. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, comme tout le monde.